بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا واعلموا أنه قد اجتمعت في الصحابة رضي الله عنهم فضائل كثيرة ومناقب جليلة السبق إلى الإسلام والصبر والتشدد والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والهجرة والإيواء والنصرة والجهاد والإمامة في العلم والعمل والتبليغ لهذا الدين فلذلك اختارهم الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فهم في أعلى درجات الطور والنقاء ليحفظوا لنا سنته صلى الله عليه وسلم وينقلوا لنا الشريعة إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل كبير وصغير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتاجه الناس في دينهم سواء كان ذلك في حال إقامته أو سفره في سلمه أو حربه في رضاه أو غضبه حتى في خاصيته مع أهله وفي شأنه كله فلهم الفضل فضل عظيم ومنزلة رفيعة حيث كانوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهدوا التنزيل وضروه وهم أول من خطب به من هذه الأمة وسمعوا تفسير القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا فهم أعلم الناس بعد النبي بمراد الله تعالى وقد شهد لهم القرآن المجيد بالفضل العظيم قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس خيرا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في قوله استوصوا بأصحاب خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رضي الله عنهم ومدحهم قائلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فعلينا تقدير قدرهم والاعتراف بفضلهم وشرفهم أيتها الله سبحانه وتعالى ألا ذلك قرآن هو السابقون الأولون adi tino ben arambe ben min al muhajirin afirno be ben yi makka yi madina wal ansar jabino be ben wal ladina tabauhum kala jukuno be bi ihsan no mojirino radiyallahu anhum alla no weltani be waradu an kambe gadi be weltani alla أعد لهم اللهم مرني بجنات الجنات تجرين إلى تحتها كلي الجنات الأنهار وشند خالدين فيها قطب للتويدة أبدا قوما ذلك الفوز العظيم هبو يقول إنهم قد إنهم من ملل غير تيكي تيكي ملل موم غير مسيح تيكي وني مرات ألا ربطه دعور قوم أسينا الله الله كو قوت ومراك في دار مسيح تيكي وني محمد كو جيار مكو إباد الله كو نجيار الله oke khutbah nuture oke bidu ko wete kulol alla dafto den alla anden wondema sahaba be nelado be siyama sahaba dun ko hal arab wonduno be nelado be sallallahu alaihi wasallam bendo no mufti ko wete bure buy ko kambe attinatul islam
ko kambe munyi feno ko sattuno fina dina kan darora ko kambe woni wondi be nela sallallahu alaihi wasallam feno ko be wonno makka feno ko wi makka be yi madina ko kambe walliti nela do fi dina kan daro ko kambe wadi jihad ko kambe gadi woni yeso membe ka gandal fi dina ko kambe gadi woni yeso ben ka yotti ngol fi dina sabudum Allah subhanahu wa ta'ala subani be dela no makon sallallahu alaihi wasallam men no ti be buri Allah bude fi yonu Allah subibe fi be marang en dina kan be jogitano en dina kan ha hewtay ka hewti en do be adena en sariya mo Allah sarina ne la don sallallahu alaihi wasallam sahaba ben la do sallallahu alaihi wasallam be tindini en kala ko be yirno ne la do ko sallallahu alaihi wasallam ko fandi e ko jandi e ngurna ne la do ko neddo hato jini e ngurndam foti ko neddo jodi do ma ko setejo ma ko neddo wondo feewno hare ma feewno buttu ma futi ko neddo wondo do tikkere ma weltare ha saaba ben tindini en be holli en hayno nela do wonduno non e beegoli mabbe din be holluno be yedduno en feedunno en tigi tigi o saaba be me yedduno en peji din ko be yirno nela do ko fo sallallahu alaihi wasallam be hollitno dun jamaa on qur'ana andani benen mo jere don nela sallallahu alaihi wasallam kanka da andani benen mo jere don bayti be wado e dum nela da maki a watene ila wondi be afme yida non be mo jere en non 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 no jokodi tan kono non ala jibu yaltito e baawa mabbe goddi go no wonde sawaba goddi go wonda sawaba kono wa andite ni la sallallahu alaihi wasallam ma kuna hadis o ko buri mojjude e jamaanu makko mum hunugol ka dina khairun nasi qarni o burgo mojjude yimbe be ko be mi wondi be summa allazina yalunahum hikke e hikkiti be ben don be summa allazina yalunahum e hikkiti be ben don be aw ko non 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 ha hewti enen kadi senari mawbe men be no buri en dina hay si tawi non hara hande enen jangi buy kore na gandangal ko liman on kabe buri en liman don ko dabbe buri en fo no wona non enen hande en jangi piji dum buy ko be jangano kono bayti dum be attino en e dina ka ko kambe longini en dina ka kibe buri en fa musibe julbe iqtadat hikmatullahi ta'ala an yursila rusula mubashirin wa mundhirin wa yunzila ma'ahumul kitaba wa kullu nabiyyin yad'u qawmahu wa yakhtara minumul mu'minuna awana fa nuh alayhi salam rakiba safina huwa wa ma'ahu wa musa wa kana ma'ahu al-khullas wa isa alayhi salam qal alayhi salam wa qala Allah ta'ala man ansar ila Allah qala al-hawarina nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhad bi anna muslimun wa nabiyyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhtara lahu sahabatan amanu bihi wa tabauhu wa azaruhu wa nasaruhu wa fadu bin nafsi wan nafis fa kanu khayra suhbatin li khayri nabiyyi innahum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi rabbahu nabi wa asal tarbiyata fa asbahu sadaratan hazi bashariya ba'da al-anbiya ridwanullahi ta'ala alayhim musibe julbe ko alla
faalirani alladi annaba annaba be mubashshina wa mundirin be yeta yimbe be jokke ko moji kon mubashshirin he bon ko moji wa mundirin acce ko boni kon sinadum on heba ella yeso alla yo bidir be deftere kitab qur'an ma linjila ma zabura o yo bidir be deftere wa annabi jokala nodde yimbe mum be o hay bay gadi mo do o wallu niri wiete sahaba be mo do be wallu niri annabi nuh hebno be wallu niri Musa annabi Musa hebno be wallu niri Isa hebno be wallu niri hada qur'ana alla yeten Isa landino jama makon ene man ansari ila Allah ene ko mo walata do la fi Allah qala al hawariyun subhana be wi nahnu ansarullah me walita tama amanna billahi min gomdin Allah wa shahad bi anna muslimun sayyidu do men ko men jawbe Allah ene la rasul sallallahu alaihi wasallam alla subani be wondi be sahaba wondi ma be no modiri walitiri mo wonki mabbe ko buri yidde kon musibe julbe yalla hawle dinga sawaba se khutba on ari yewti fi sahabaabe andantini en ko bayti gasara ella no wodi sina no me wolta no fimu korono Quran Allah dali nukko Muhammad Rasulullah Allah dali Muhammad ko jiyar Allah ko nelat Allah walladheena ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar wondo be nelada be sibe fondo dina salibe be yotto he onon ko salibe menen no men jokata salido kono non ruhamaa'u bainahum hakune ji mabbe o be yurmo diray ala addi sifa mabbe tarahum ruk'an sujjada benon tarahum ay ala tawsimahum fi wujuhi min athari sujud wo mande ji mabbe din wo ko be sujjayno ko ma ko be sujjata ko tarahum alladhi tarahum ruk'an sujjada beru jay be sujjay dunno ko mani ko jul o ruk jay o sujjay musibe julbe sitawno e jottuno tun on aya don kala da do ruhama u bainahum e yurmo diray ko be yurmo dirta ko julbe be nandube julbe be jen ko so nari enen nandube julbe ne den en fotta enen nandube julbe be sujjo rujjo en fo en nare ga julbe sujjo rujjo ta en fotta en fotta fi hondu en fopi dan fotali Allah ko goto en foyi dan fotti Muhammad ko dela Allah en foyi dan fotali qibla o ko makka ko na en fotta idan habu da ko ne jibe musibe julbe be akan lakhlari uto makke dan non lakhlari mo membe makke non al akhdari janna enton o en jullo piji buyno to dara be janne o sahaba be nelado be ma wondi no be nelado be o naskutu fi ma shajara bainahum ko o yarno hakune ma ha durre wadi enen sakiti be ben do wadde en jabuna tugol e yewtugol fiidum tegugol fiidum fiyonu yetten aya on da dum ka qur'an se jetti on non aya
en degga e fi dun daa alla dalika aya qur'ana nokku gono tom wo laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyunaka tahshat shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fatan qariba wo alla weltanike gomdi be ben fewno be wadno ma mubay bay'a kale leggal alla andi ko no ka fondo ji mabbe alla tippini deejere kaner fondo mabbe wa athabahum fathan qariba alla ki be porgal den non ko alla alla weltani be bayt non alla weltani kebe fewno de laado makko fejjie de laado lurre woni hakkune ji mabbe enen sakkiti be benga bayti enen es sa'i mabbe on ko dumunna buri dubi wulore o ya khal khadarida o wi enen ko mo yani wo ko naskutu fi ma shajara bainahum ko warno hakkuni ji mabbe halurre wadi enen dajje wate jabol wal fiidu pada do wonu sombo ha habe ko hawre warno hakkuni mabbe kono tawi ba sa fondo ji mabbe no laabi kono bayti ko bani adama habete kono kambe ari hawre mabbe wer ko fi alla bayti non dum wadi mo lakhda yewi a ene wate jabol wal fiidu kono musibe julbe se jetti hande enen julbe ben di misifida din rujjabe ben sujja wiube alla ko goto wiube muhammad ko nelado alla ko ene woni en fotta en habay pire wartinire fi dina nana yete tum ko wete alamul islam le monde musulman haba be be ya ko sunna ko shia antoy de nandi di do tati be fo be jabi allah ko alla muhammad ko muhammad makka fewte le jule be fo be ay hajju makka kono ko kambe haba ta be wartinira fi hon fi ko fejji bawne la awa be da wi anno ko baw ko bayti nela do fejji ko kari hal hanuno ardagol ay ina kari ko kari da hanuno ardagol be haba fi ko alla de be haba fi ko nela do de be haba fi ka julete de ko yi gol ko kari ardoto ma ko kari ardoto politique ko noni politique ardoto do yoni hadno ene hewti en dun do mauni kame mauni kama beto be habi ibe habude kibe wartinirde enen kadi dum no arde kame nga faada mo go jaalike hakile da ngala gollude musibe julbe en fotata hani tagge kono ko burno mo dira gollitren hakile men den oda ko musido ma hayson welda hayson fotta kono bayti tum ira ay don kafi acci mo ga woni don anka dona ka wonda don hara on habali hara on wartinirali hara on rufinirali jija kono hina do fewndi de boyna tan tawa ehino yo anniya on laabi ko famu yaaja suka ben boyno ton tawa anni on laabi ko faamu yaaja wobbe no ton tawa hibe andi fi mum moja kono bayti haray gokkoyno yutiri baawo haray gokkoyno yutiri baawo ay mo mebbe bayti be jetti lakhlari yombe gollitiri kambe sibe yima dawadde ko be anda be wiata me musgas kono be jokki kala jokki do a gurno mo jude hebe hakkil sa tawi goddo no wolde da ko a wawa nanugol a an jokku ko jokkuda ko tamo da dum do oda reenu da wi gol mo ko gurno satade fewta wiago do ko kefero
hara himo rujude himo sujude am feuta no ya ko kefero e astaghfirullah non mon je me fi jirtal yalla be dan famu jidi yalla be dan famu jidi aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim Nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, Was-sabiqun al-awwalun, les prédécesseurs, les premiers, min al-muhajirin, parmi ceux qui avaient émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal ansar et ceux qui leur avaient porté secours, ceux qui les avaient accueillis. Wal ladina tabauhum bihsan et ceux qui les ont suivis de la bonne manière. Radiyallahu anhum, Allah les a agréés. Wa radu anhu, et aussi ils sont fiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a préparé jannatin, des jardins tajri tahta al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux. Khalidina fiha, dans lesquels ils demeureront éternellement. Dhalika al-fawzul azim. Celui-là ou celle-là qui aura cela, c'est cela le succès, le véritable succès. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Je témoigne que Muhammad est son messager. Il est son esclave. Frères et sœurs en islam, le serment nous recommande, nous exhorte à la piété, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'obéissance vis-à-vis des préceptes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a édictés. Sachant que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qu'il avait tenu compagnie, quand un prophète fut envoyé à l'époque, il avait toujours des compagnons pour l'aider dans sa tâche. Ces compagnons renfermaient en eux tout ce qu'il y a comme bonne grâce, tout ce qu'il y a comme mérite. Il fut le premier à accepter l'islam. Ils ont enduré. Ils ont quitté leur demeure, la Mecque. Ils ont fui la Mecque. Ils sont allés vivre ailleurs. Ils ont combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont transmis le message. Et pour toutes ces raisons, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Ils sont plus pieux que nous. Frères et sœurs en islam, les compagnons nous ont relaté l'histoire du prophète dans ses plus petits détails. Comment est-ce que le prophète a vivait même jusqu'à avec ses femmes? Ils nous ont relaté cela. Tout cela pour que nous puissions adopter sa voie. Frères et sœurs à l'islam, le Coran nous dit, le prophète nous dit, mes compagnons, soyez bons envers eux, tenez un bon langage vis-à-vis d'eux. Il fut le premier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans sa communauté, les meilleurs de sa communauté sont ceux qui ont vécu avec lui, qui ont enduré avec lui. Et ainsi de suite. La première génération, celle qui a suivi, c'est l'autre-là, c'est l'autre qui a suivi, etc., 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 jusqu'à nous. Et nous aussi, quand nous prenons notre situation à nous, la génération de nos pères ou de nos grands-pères, elle est mieux que nous. Bien qu'on soit plus instruit qu'elle. Mais attention,
l'instruction et la foi fondée. On peut être pétri de savoir, mais avoir une foi très minime. Nos aïeux n'étaient pas pétris de savoir, mais ils avaient une grande foi. C'est pourquoi aujourd'hui nous vivons l'islam. Parce qu'ils ont enduré. Et c'est ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum » etc. Il dit la meilleure des générations, c'est celle du Prophète, c'est l'autre qui a suivi, etc., 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 jusqu'à nous. Et frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous envoyer des prophètes, des messagers, pour nous transmettre son message. Et des messagers choisis parmi nous. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Les prophètes, les messagers, ils sont choisis parmi nous. Pourquoi? Si Allah nous envoie des anges, nous allions tenir un discours contraire. Et ce discours-là avait été tenu. Et un peuple avait demandé à son... Il dit, « Mali hazar rasoul, ya'kul, wa yamshi fil aswa. » C'est quel type de prophète ça? Il fait comme nous. Il va au marché, il mange, il boit. Vous voyez l'être humain? Si Dieu envoie un ange ou un être qui est différent de l'être humain allait dire, « Non, celui-là, il est différent de moi. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Non, la qadija akum rasoulu min anfusikum. » Le prophète ou le messager que vous envoie, il est comme vous. Et c'est ce que le prophète disait à ses compagnons. Il dit, « Attention, ana basharun mislukum. » Je suis un homme comme vous. Mais la seule différence, « Yuha ilay. » Moi, je reçois une inspiration divine ou un message divin. Pourquoi je donne ça? Parce que je dois vous le transmettre. Sinon que je suis comme vous. Ana basharun mislukum yuha ilay. Donc, frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le message mubashirin pour nous faire de bonnes annonces. Suivez la voie droite, la rectitude, vous mènerez une vie saine ici-bas et vous accéderez au paradis. Il nous avertit, attention, ne suivez pas la voie tordue, sinon vous mènerez une vie difficile et votre demeure finale ne sera pas ce que nous l'on souhaite. Allah subhanahu wa ta'ala leur a muni de livres, de prescriptions, kitab. C'est la prescription. Et chaque prophète invita son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque prophète qui le fit avait des compagnons pour l'aider dans sa tâche. Nous, Noé, nous, dans sa mission, avait des compagnons pour l'aider dans sa tâche. Moussa, dans sa mission, avec des compagnons. Isa, Jésus, dans sa mission, avec des compagnons. Et de sorte que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle le cas d'Isa. Lorsque Isa a vu en ses compagnons une sorte de désistement, il les interpella. Il dit, « Man ansari ilallah, qui d'entre vous va être mon secoureur ou mon aide dans le combat que je suis en train de mener. » Et les apôtres disent, « Al-Hawari, nous sommes à tes côtés. » Amenna, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, en Dieu. Et washhad, sois témoin de cela. Bienna muslimoun, nous sommes soumis à Dieu. Donc, frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut des compagnons qui l'ont aidé dans sa tâche de transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont enduré.
Mes frères et sœurs en islam, si un serment est fait, c'est pour nous interpeller. C'est parce qu'il y a problème quelque part. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Muhammad Rasulullah, Muhammad est le messager de Dieu. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, ceux qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des mécréants, les infidèles, ils sont intransigeants. Ils ont un discours net. Mais quand il s'agit du comportement vis-à-vis de leurs frères, Ruhama ou Bainahum, entre eux, ils sont souples, ils sont tolérants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, quel est le signe qu'il est, quel est le dénominateur commun? Simahum fi wujuhihim athar as-sujud. Il dit, c'est la marque de prière sur leur visage qui est leur dénominateur commun. Pour dire qu'ils prient. Et Allah insiste, il dit, tarahum ruk'an wa sujjada. Ils prient, se prosternent et ils font la génuflexion. Donc, frères et sœurs en islam, si on se limitait à cela, Muhammad Rasulullah, nous prions vers la Mecque. Si on avait compris cela, l'union serait celle souhaitée entre nous. Mais malheureusement, c'est nous ceux-là qui disions que Muhammad Rasulullah, nous prions la même prière, nous faisons face à la Qibla là-bas, à la Mecque, nous allons à la Mecque et nous retrouvons là-bas, c'est nous qui sommes en train de nous entretuer. Le motif, la religion. Ces autres là-bas, ils se sont entretués, ils sont en train de s'entretuer. Et c'est les mêmes, c'est les frères. Quand je dis frère, frère dans la foi. Je ne parle pas de la consanguinité, non. Frère dans la foi. Et malheureusement, on nous transporte leur combat, leur bataille là. Nous aussi, nous sommes en train de le vivre. Et malheureusement, nous ne sommes pas en train de raisonner. Ce qui aurait été bon, que nous raisonnions. On ne sera jamais d'accord. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran, وَلَا يَزَالُونَ يَخْتَلِفُونَ مُخْتَلِفِينَ. Ils ne cesseront jamais d'être en désaccord. Jamais. Et ce qui était le plus mieux, je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous faites, ou ce que vous dites, mais je ne dois pas me permettre de porter atteinte à votre vie. Parce que la vie, elle appartient à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Wa min ajli zalika kadabna la bani Israël, annahu man qatala nafsan bi ghayri nafs, fa ka'annama qatala nasa jami'a. » Aux enfants d'Israël d'alors, Allah leur avait dit, attention, quiconque ôte la vie d'un être humain sans raison valable, c'est comme si il aurait ôté la vie à toute l'humanité. Donc, frères et sœurs en islam, réfléchissons, cherchons à adopter le comportement que nous avions adopté. Vous savez, il y a un petit livre que nos parents nous enseignaient, Al-Akhdari. Il est petit dans la forme, hein? Mais dans le fond, il a le sens, il est... Il y en a qui en ont fait des thèses de doctorat, ou non, ils en ont fait des livres. Il y a un terme là-bas, et Al-Akhdari dit, attention, les prophètes qui ont... les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Akhdari reconnaît qu'il y a eu un malentendu entre eux, nous autres présents, et dit, taisons-nous sur leur malentendu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyinuka tahta ash-shajara.
Allah leur a donné un certificat d'agrément. Lorsque sous l'arbre, avec le prophète, ils ont prêté serment au prophète de l'aider. Grâce à ce serment, Allah leur a dit, je vous pardonne. Donc au vu de ça, Allah Khoudari dit, attention, ce qui s'est passé entre eux, taisons ça et vivons notre époque. C'est quoi vivre notre époque? Ce qui est passé est passé. Mais cherchons-nous à faire un rapprochement entre nous. On ne sera pas d'accord, mais rapprochons-nous. En quoi faisant? La fraternité. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais après tout, tu es mon frère. Parce que je prie, tu pries. Je dis Mohammed, tu dis Mohammed. Je dis Makka, tu dis la Makka. Le reste, ce sont les détails. Mais malheureusement, notre jeunesse n'est pas en train de comprendre. Et malheureusement, notre jeunesse, elle a de bonnes intentions. Mais il n'y a pas de bons guides. Pour les guides qui sont là, peut-être ils le font. Vous savez, le monde est devenu un monde d'intérêt dans le jeu politique. Vous savez, la politique s'est invitée dans la religion. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Parce que quand le prophète est... Après la mort du prophète, ça a commencé là. Donc, le monde actuel, c'est un monde d'enjeux politiques. Et on dit tous les moyens sont bons. On manipule tout. C'est pas la religion. Mais puisque la religion peut nous servir à, peut-être, à aboutir à notre fin, à une fin politique, on utilise la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ayons une bonne compréhension de la religion. Qu'il fasse que nous, la fraternité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans le Coran que nous la vivions. Et Allah dit, je rappelle, et dit Muhammad Rasulullah wa alladhina ma'ahu ashidda'u al-kuffar rahama'u bainahum, entre eux, c'est la pitié, c'est la tolérance. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana innana amanna bima anzalta wa rasulaka faktubna ma'a ash-shahidin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله Amin.
Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazakum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.